Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 30 mars, il est 16h19 et si vous avez regardé mon index, vous avez dû vous rendre compte que je ne vous ai pas présenté une vidéo. Eh bien, je viens de ce pas vous présenter la dernière WDD Coronavirus News. Et maintenant, vous montrer ce qui a été expliqué sur C8, c'est que daté. Un chirurgien a montré qu'il était possible de réaliser soi-même des masques de protection. Et oui, regardez, j'ajoute avec du papier cuisine. On le plie en deux. En le fixant ici et ici avec des élastiques de mercerie agrafés avec... Je viens vous montrer ce que j'ai trouvé comme exemple pour vous montrer sur le net. Vous pouvez également les trouver au rayon mercerie des grandes surfaces et moyennes surfaces. Une agrafeuse. Il y a aussi les gants de protection, latex. Et ceci. Et à la télévision, ils avaient montré qu'avec donc ce qu'il appelait une lingette, un mouchoir, par exemple de Kleenex, on le prend et on le plie en deux. Il est également possible de mettre deux lingettes. Et bien sûr, de l'agrafer avec élastique de mercerie. À l'aide d'une agrafeuse. Vous voyez que le choix est important et les quantités également importantes. Vous avez des rouleaux, un de 91 mètres, d'autres de 180 mètres. Il y a de quoi faire des masques de protection. Tenez, regardez, vous voyez, c'est également indiqué. Maintenant, je viens vous montrer ce que l'on peut écouter à la radio et également écouter et voir sur le net. Suivez-moi. Radio France Bleu, Béarn. Ah.
Voilà, c'était ma vidéo de ce lundi 30 mars où je vous ai montré ce que j'avais vu à la télévision et puis aussi ce que j'ai pour protéger, donc des gants en latex et également la possibilité de faire des masques avec des élastiques de mercerie. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michonneau. À bientôt.